Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur Resident Evil Village. C'est parti pour la suite. Nous sommes arrivés dans le moulin, nous avons tué des petits cochons. Et c'est parti. Je pense qu'on va aller voir le gros dégueulasse visqueux là. Et après ça sera Eisenberg en dernier. Je sais pas vous, mais j'aurais préféré que limite ça soit. Je le dis dès maintenant, hein, que Dimitrescu soit plutôt vers la fin avec ses filles. Mais peut-être qu'ils ont voulu que ça plaise aux gens directement, je sais pas. Ou que vu qu'ils ont fait la promotion sur elle surtout, je sais pas. Mais vu les boss, il aurait fallu qu'on commence par Dimitrescu et ensuite. On commence par la de Benevito, je pense, avant le premier, vu ce que j'ai vu, et ensuite plutôt Dimitrescu. En tout cas, plus vers la fin, vers Eisenberg, parce qu'ils avaient une sacrée personnalité tous les deux. Ça avait l'air d'être ceux qui avaient une plus grosse personnalité. Voilà, voilà. Bon, on va continuer. Oh, c'est dégueulasse. Je sais pas ce qui m'attend. C'est pas ça? Ah non, merde! Oh la con! J'aurais eu fait un truc pour rien. Ça, c'est les bras de Rose. Oh mère Miranda! Pour vous, je ferais n'importe quoi! Bonjour. Je me permets de prendre ça? Non, qu'est-ce que tu fais avec l'enfant spécial de ma mère? C'est pas sa fille. Oh, tu as quelque chose à dire? Qu'est-ce que t'entends par son enfant spécial? Maman veut récupérer son bébé. Ne fous pas de ma gueule. Attends, je t'en supplie. Si tu prends ça, les autres vont se moquer de moi. Oh, il y en a plus qu'un seul. Si jamais, je fais mieux qu'eux. Rien à foutre. Attends. Encore un petit peu, s'il te plaît. Je crois que j'ai tout compris. On verra bien. Il va me cracher dessus. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Imbécile. Tu parles trop. C'est terminé. Tu es pris au piège. Ici, c'est mon territoire. Et jamais je te laisserai partir. Putain de taré. Ça serait trop beau. Ça serait trop beau. On va essayer là, mais ça va être trop beau, ça se ferme. Ah non? Ouh, c'est bizarre ça, ça pue. Oh, ça pue, c'est bizarre. On va aller voir là-bas avant. Qu'est-ce qu'on a à me proposer là? Ça sera à revenir plus tard, peut-être. On verra bien. En tout cas, je peux pas passer là. Arrêtez de faire des bruits chelous, s'il vous plaît, merci. Mais je crois que j'ai compris. Je pense que c'est peut-être vraiment l'enfant de Miranda. De mère Miranda.
De toute façon, de vu de ce que j'ai été spoilé, j'ai l'impression qu'en fait, tout ce qu'ils disent, ça semble logique. Enfin, je crois, hein. Je dis pas que c'est le cas. Mais... Ouais, bah j'aimerais bien la voir. Bonjour. Ah, je pourrais peut-être la récupérer plus tard. Laissez la clé du bateau dans la cabane au fond de la mine. Hans est mort et je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête la pêche pour le moment. Sa mort n'était pas un accident. Le pauvre s'est fait bouffer par un poisson géant. Lui et son bateau. Hé, hey, un poisson géant. Raison qu'il vole 4. Tout ça. Putain. J'ai tellement pas hâte. J'ai tellement pas hâte. Ils ont dit, la clé du bateau est dans la cabane au fond de la mine. Ah putain. Dans une cabane au fond de la mine. Faut y retourner. Fais chier. Ça me saoule. Cabane au fond de la mine. On est d'accord que je suis piégée là. Je pense que ça doit être là, mais je suis pas sûre. Bah non, bien sûr, grosse connasse. Bah merde alors. Dans la cabane au fond de la mine. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai loupé? Ah oui. La blague. Super. J'ai pas envie de se baigner, mais pas dans leur... Oh merde. La cabane au fond du bateau. Ah.
dirait qu'il a bugué d'un coup. Oh, ça va, c'est quand même comme ça. Je pète pas un boulon, pas du tout. On a réussi à s'en sortir. Ça pue, ça pue, ça pue. Ça pue très fortement. Salut les cons. On le contrôle bizarrement hein, quand même, le bateau. Bah tant pis. Hein. Bon bah on avance. Hein. Il va y avoir un gros monstre à battre ici. C'était quoi? Un gros monstre à battre. Je pense que tout ça, quand ça sera fini, ça va péter et on va avoir accès à tout, je pense. Donc on ira après. C'est parti. De surveillance. Yep. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre ici? Lâchez-moi! Reste à terre, putain! Ethan. Je me disais bien. Je dois dire que je suis surpris de te trouver ici. Moi aussi. Ce serait dommage qu'il t'arrive quelque chose maintenant. Oui, Chris. Bien sûr. T'as tué Mia. Alors, pique-moi, finis le boulot! C'est tellement con que je me suis fait spoiler le truc parce que j'aurais tellement pu penser comme Ethan. Et en fait, ben non, parce que je sais. Oh, dégoûté, putain. Ça me saoule que les gens m'ont spoilé. Et tout ça, c'était sur Internet. Par hasard. Putain. Capitaine, je détecte des mouvements suspects dehors. On ferait mieux d'y aller. Quel genre de mouvement? Tu sais ce que c'est? Négatif. Mais je crois qu'on est resté ici trop longtemps, et Miranda le sait. Hein? Hey, vous avez dit Miranda! C'est quoi le rapport avec... Laisse tomber, Ethan. Vaut mieux que tu t'en mêles pas. Ouais. Les échantillons, ça donne quoi? C'est clairement lié à la moisissure.
Oh merde. Reste en dehors de tout ça, d'accord? Et en dehors de... Attention! Transformé. Toi, la sortie est sous l'eau. T'es foutu. J'ai pas le temps là. J'espère que j'ai rien loupé à côté parce que je suis pas allé à certains endroits avant. C'est trop tard. Oh, vous avez vu, il y a marqué Mover sur son bras. Prépare déjà la cérémonie. Miranda, t'en veux pour me ralentir? Dis pas ça! C'est pas juste. Je devrais être avec elle, pas toi! Mais de quoi tu parles? Oui, c'est bien ce que je pensais. Putain, mais c'est pas ton problème! Je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps! Lâche, plagasse, tout ça! D'abord, pourquoi? Allez, jette-toi sous l'eau. Pourquoi? J'ai compris que c'était toi, le monstre. C'était sûr, en fait. C'était sûr. Et maintenant, je fais quoi? Tu te touches la nouille. C'est une clinique de Moreau. Oh. Il y a une clinique de Moreau. Donc ça, c'est à venir voir plus tard. Ok. Mais j'ai tout compris. J'ai tout compris. Il a dit que la sortie était sous l'eau. En fait, j'ai pas envie de vous spoiler, mais tout ça paraît... Avec la révélation que j'ai eue finale, que j'ai eue avant d'avoir fait le jeu, et ça m'énerve, et ben, je comprends tout. Et en fait, j'aurais préféré comprendre tout ça plus tard, mais bon, maintenant, je comprends tout maintenant. Donc tu comprends pourquoi il dit « Mais c'était à moi d'être avec elle, pas toi. » Et... Bref. Bah ouais, hein, c'est pas drôle. Jetez un coup d'œil, faites à votre guise. Oh, t'es horrible avec ton gros bide, putain. J'ai envie de les garder, moi. Ah, la viande. Non. Continuez comme ça. J'ai hâte de découvrir les prochains ingrédients. Puis-je choisir quelque chose pour vous? Revenez quand vous voulez. Attends. À votre service. J'aimerais avoir des flingues de pistolet, s'il te plaît. Et le fusil à pompe, ouais. Un choix intéressant. J'étais sûr que vous achèteriez cela. C'est quoi ça, Magnum? Un pistolet entièrement? Non, je l'ai déjà. Enfin, je l'avais. Je l'ai enlevé. On va déjà faire ça, parce que je crois qu'au niveau des vies, je suis bien. Ouais, à la prochaine fois. Allez, let's go, c'est parti les amis. Nous savons que nous pouvons y arriver. Où allons-nous?
Et voilà. As-tu vu les belles quenouilles? Ah. Faudrait que j'aille après, je pense. Déjà faire un truc ici. Orange, 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 bleu, bleu, bleu. Si j'arrive à vider cette eau. Merde, y a pas de courant. Bah merde. Bon bah voilà, faut aller là-bas pour établir le courant. Niquez des poupoules! Niquez la volaille! J'ai envie d'avoir mes trucs avec le connard là! S'il te plaît, merci, merci! Merci! Ah. Pas ce que je cherchais, mais d'accord. Cette manivelle est dans un sale état. Quand je l'utilise, j'ai toujours peur qu'elle me reste dans les mains. Il ne faudrait pas que ça arrive, parce que la seule qui nous reste, c'est au niveau du deuxième moulin. Ok. Bah oui. Elle est là-bas, la manivelle ou... Putain, j'y crois pas. Bah, c'était sûr, hein. Bon, bah, on descend, hein. Il peut pas, genre, descendre normalement et... Ou c'est moi qui descends mal? En tout cas, il n'y en a qu'une qui ne s'est pas transformée en monstre, on va dire. Salut le monstre, on va dire. Ressemble beaucoup à celui de Resident Evil 4, n'empêche. Hein. Les mêmes bruits, la même taille. Pour moi, c'est la même. Qu'est-ce qui... Pourquoi ça... Ok, je l'ai vu, je crois. Ah mais c'est le même bruit, je suis désolée. Hein. Bordel.
Oh, en sa chambre. Ah. Bah pas pour l'instant. Que je comprenne, ça sert à quoi? Ah, c'est celle pour aller à droite, d'accord. Ok, et à un moment, elle va redescendre. Elle redescend. On dirait qu'elle commence. Voilà. Oh non! Il m'a eu! Je suis morte! C'était sûr! Comment ça se fait que j'ai perdu comme ça? J'ai peut-être mal compris un truc. Je suis nulle, hein. Je dis pas que je suis nulle. C'est le jeu. Ah non, d'accord, ok. C'est eux à mettre en priorité, hein. Ouais. Celui-là, ensuite le bleu et ensuite le jaune. J'ai reculé, hein. Ça s'est vu, je crois. Je suis le meilleur. Oui, c'est ce que tu penses, oui. Ah, c'est chaud, ça va. C'est vraiment de la logique, hein. Je pense que vous en doutez. Ah.
cette pêche, on dirait. Faut pas que je reste là. Qui me fallait tout à l'heure. Enfin, là, normalement, il aurait dû me bouffer, hein. Il aurait dû me bouffer, en vrai, là. Mais bon, on va rien dire. Parce que là, il est quand même passé sur mon perso. Normalement, c'est Lightbox, tout ça. Ok. Ouvrir les vannes. Merde, quelle vanne, déjà. Ah si, c'est là-bas. J'ai rien dit. Quelle bonne. Hein. Salut, moi, vous tombez bien. Je commençais justement à m'ennuyer. Vous n'avez pas mieux à me proposer. Non. Ah oui, une cuisine. Arrête de te gratter une les fesses. Une bonne affaire, si je puis m'exprimer ainsi. Ah, oui, oui. J'ai vraiment hâte. Oh, excusez-moi un instant. Et voilà. J'aimerais vous en faire profiter aussi. Je n'aurais jamais imaginé manger un tel plat dans cette région. Bah moi non plus. Merci beaucoup. Vous avez l'œil pour la qualité. Merci. Goodbye anytime. Alors, voilà. Donc il va falloir mettre du orange. Faut pas suivre ce qui est marqué en fait. Ah,
Ah, super. Il va mourir comme ça. Alors, 1er octobre, il fait beau. Mère Miranda m'a apporté 5 villageois comme je lui avais demandé. Je lui ai endormi avec un liquide et puis je leur ai mis le cadou dans le ventre. J'ai hâte de voir le cadou grandir dans leur bide. 2 octobre, il y a des nuages. 4 des villageois sont morts ce matin. Il y en a un qui est presque devenu un lican. Alors, je l'ai envoyé à mon labo dans la montagne. J'ai encore raté, maman. Attends, j'ai encore raté. Maman, elle veut des enveloppes plus fortes. Mais moi, j'en trouve aucune. Il faut plus de villageois. Ah, sacrée maman Miranda, t'es une vraie connasse. Hein. J'ai pas de M911 ? Est-ce que c'est pas celui que j'ai jeté ? Ah, ça ferait chier ça. J'ai envie de savoir si c'est ça. Bienvenue, Ethan. Arrête de fumer. C'est ça, putain, c'est celui que j'ai jeté, je crois. Fait chier. Bon. Bah, on va se démerder, hein. Bonne journée. Oui, bonne journée à toi aussi. On va se démerder avec ce qu'on a. Oui, on va se démerder avec ce qu'on a. Je peux même pas récupérer le poisson. Le poisson. Ouais. Ça, j'irai de faire attention quand même. Il peut popper à tout moment, le gars. Ça sent le combat. C'est un peu le bordel, moi je m'y retrouve plus à force. Hein. Oh!
bâtard. Je savais pas ça. Oh merde, fais chier. Je meurs vraiment pour rien. Ah non, pour des débilités. Ou alors, est-ce qu'il faut pas tirer genre un gros truc de fou Peut-être. Pas le choix. J'ai mal aux mains, putain. Merde, je me fais pour mieux.
putain, non mais hey, arrête de me faire des coups comme ça, connard, va. Bah... Oui, là, quoi. J'ai l'impression que j'ai plus rien pour démonter ce genre de truc. Ah si. Non mais à un moment ça va bien 5 minutes là. Voilà. Maman!
être totalement glauque. Il aura été dégueulasse. Jusqu'au bout. La sortie était un peu plus loin. C'est dégueulasse jusqu'au bout. La sortie un peu plus loin. Oh merde. J'avais enlevé le couteau. Fais la con. Ah, c'est vrai que je pouvais me protéger, la conne. En fait, je peux faire ça. Oh, la con. Ça fait un bail que je sais que je peux me protéger. Oh, dommage. Ah, ça sera plus tard. Ah, ou peut-être maintenant. Je t'ai peut-être sous-estimé. C'est qui ? Oh, arrête. On s'est vu tout à l'heure. Heisenberg. Enfin, peu importe. Ouais, t'es le dernier enfoiré sur ma route, c'est ça ? Tu es tenace, je dois l'admettre, Ethan. Mais que feras-tu une fois que tu auras les quatre bocaux ? Où tu veux en venir ? Je pourrais te donner un coup de main. T'essaies de m'amadouer ? On ne fait pas trop le malin. Je te tuerais si tu n'en valais pas la peine. Il y a une forteresse pas très loin du village. Vas-y et prends mon bocal. Fais ça et tu auras mon respect. D'abord, retourne au cimetière. Ouais, pauvre connard. C'est sincère. Cadou. Ce truc est vivant ? C'est pas justement ce qu'il a eu, lui ? J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Bon, allez. J'ai l'impression que c'est ce qu'il avait dans le corps. Ah, et peut-être qu'il s'est injecté ça justement pour dire « Eh, ben moi, je suis capable. » En tout cas, ils se sont largement améliorés par rapport au 7, hein, pour ce jeu. Largement. Dommage qu'ils aient pas gardé les persos importants pour plus tard, mais... Et voilà. Ouais. Et ben vous savez quoi? Pour le coup, moi, je vais vous quitter ici. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !